Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Comme vous pouvez l'entendre, la fête de la musique bat son plein au centre-ville de Lisieux. Nous avons rencontré Nitram de la boutique du Dr Nick qui organise avec le bar brasserie La Rotonde une journée fête de la musique avec scène ouverte. D'abord, bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Donc, je voulais savoir, qu'avez-vous préparé ce soir pour la fête de la musique ? Alors, on a prévu de faire jouer les jeunes, donc de faire une scène ouverte en fait, de 17h à 21h, où tout le monde avait mis à disposition plein d'instruments et d'amplis, etc. Et tout le monde pouvait venir s'exprimer, y compris les rappeurs, bon, ils ne sont pas venus, mais... Et puis le soir, à partir de 22h, il y a un groupe qui s'appelle The Limits, qui est en concert pendant 1h30, 2h. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est une première pour vous ? Non, c'est une deuxième. On a fait le premier concert, on l'a fait au Fausto, Faustali. Et là, on a fait le deuxième, c'est chez moi, comme on dit, à la Rotonde. Voilà, c'est tout nouveau, tout neuf. Parlez-moi de votre groupe de musique, The Limits. Alors justement, on va peut-être aller les chercher, hein, parce que ça serait plus sympa qu'ils soient tous là avec nous. On a le groupe au complet, donc je vais vous demander de vous présenter un par un. Je m'appelle Titi, hein, je suis le propriétaire de la Rotonde, et donc je suis bassiste, voilà. Moi c'est Nitram, j'ai une boutique qui s'appelle la boutique du Dr Nit, et je suis guitariste. Donc Uriel, moi le chanteur et attention un peu guitariste dans le groupe aussi. Alex Tomasso à la guitare. Antoine, je suis à la batterie. Il a rejoint il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, ouais, 3 semaines, voilà. Ah d'accord, donc c'est le petit dernier du groupe. Voilà. Le petit dernier du groupe, oui. Le groupe il a été créé il y a un an à peu près, ouais. À peu près il y a un an. En fait, c'est des rencontres comme ça entre musicos. Bon, Alex et moi, on était copains depuis très longtemps. Et puis Uriel est arrivé, vu qu'il a une super belle voix. Du coup, on l'a engagé. Il coûte très cher d'ailleurs. voilà. Et puis, tout naturellement, en fait, on a rencontré Titi à la fête de la musique l'année dernière. Voilà, j'ai demandé. Anit de faire faire un bœuf pour la fête de la musique, et ils ont joué et ça m'a plu, et j'étais chercher ma guitare et on a fait le bœuf ensemble. Et depuis on a créé un groupe. Et est-ce que vous avez des dates de concert à venir prochainement? Oui, il y en a des dates, c'est quand déjà? Le 20 juillet, c'est à Caen. Ouais, à Caen le 20 juillet. Il y a le 6 juillet aussi, mais ça c'est une fête privée. Ça fait deux concerts et puis on en a une dizaine à peu près dans les deux mois qui arrivent. D'accord, c'est super, donc c'est très bien pour vous. Je vous remercie, je vais vous laisser continuer le petit concert et j'espère que vous êtes bien amusés. Merci, à bientôt sur TV Lisieux.